Bonjour à tous et bienvenue sur Pokémon Channel 76. Donc aujourd'hui nous allons continuer pour une sixième vidéo sur la série Célébration. En sachant que bon aujourd'hui la chance va être avec nous, je l'espère en tout cas, dans le sens où on va faire une belle petite boîte, on va faire un petit coffret dresseur d'élite. Donc au total on va avoir 10 boosters Célébration à ouvrir. Pour les autres boosters, comme vous le savez, je les mets de côté pour des vidéos futures. Donc voilà, donc là on va vraiment se concentrer sur du Célébration, 100% Célébration. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Voilà, vous pourrez voir un petit peu ce que j'ai la chance que j'ai eu ou je n'ai pas eu. Voilà, un petit pouce pour dire que le contenu de la vidéo vous plaît. N'hésitez pas. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de commencer un petit peu à développer la chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, faire des retours, bien, pas bien. Voilà, n'hésitez pas. C'est fait pour. En tout cas, à chaque fois, je fais du one shoot. Pour l'instant, je ne fais pas de montage vidéo. Donc, si je me loupe ou si je dis des bêtises, bah, c'est enregistré dedans et je peux pas l'enlever. Donc, voilà, c'est presque du live, mais sans vous en direct. Mais à la fin, le contenu, c'est le même. Donc, voilà. Bon, on est parti, on va tester ça. Donc, petit changement de cam. On passe sur le fameux coffret. Donc, coffret dresseur d'élite, 25 ans. Donc, comme on l'a dit, 10 boosters à l'intérieur. Hop. 10 boosters célébration et 5 boosters d'une autre série. Et la fameuse carte Amphinobi qui a l'air d'être très jolie aussi. Allons nous faire plaisir. Donc, le fameux coffret, le fameux guide en fait, qui va permettre de répertorier hop, toutes les cartes. Donc normalement, vous savez ce qui nous manque à l'intérieur. Si vous avez suivi les autres vidéos, si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. Attention, gros teasing, hein, vous avez vu. Donc voilà. Donc ça c'est cool. Mon petit coffret qui permet de noter sa collection. Donc la petite boîte en elle-même qui est toujours sympa. Les boîtes ont beaucoup de gueule quand elles sont grandes. Après quand on les met un peu plus petites, elles sont moins jolies. Hop là. Donc on a un, deux. Déjà deux dans le mauvais sens et trois dans le bon sens. Après, est-ce que toutes les boîtes sont faites comme ça? J'en ai aucune idée. Et donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 paquets de célébration juste pour nous. Bon, dans la boîte, vous avez des dés pour jouer au jeu comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent un petit peu les boîtes, hein, vous avez un paquet de cartes. Vous avez des sleeves pour protéger vos cartes. Et vous avez la petite carte Amphinobi qui, pour le coup, je connaissais pas plus que ça. Je la trouve sympathique. Très sympathique. Donc on met tout ça de côté. Les marqueurs de dégâts. Et les petits séparateurs. Et le petit code pour vous. Voilà. Déjà, on commence bien. Hop. Et donc la boîte, comme je disais, bah, une fois rétrécie, c'est un peu moins joli. Mais ça permet de mettre toutes ces cartes à l'intérieur. C'est quand même bien pratique, les petites OTB. Allez, on est parti. Et on espère avoir de la chance pour aujourd'hui. Donc on a le paquet de sleeves qui est présent. Et on va aller chercher du quoi? Du starter, du Dracaufeu. Mew Gold. Franchement, j'aimerais bien Mew Gold pour terminer la série classique. Ce serait déjà une très bonne chose. Allez. On est parti. Premier booster. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ça a donné? En plus, les boosters, ils sont tout petits. Ça va être... C'est trop rapide, en fait. C'est presque frustrant, en sachant qu'on a tout le temps les mêmes cartes. Dialga, Palkia, Ho-Oh, et un Pikachu. Et un Pikachu. Ok. Bon, bah, le Pikachu, hein, première vidéo, je sais pas si vous aviez vu, mais c'était un peu la galère. J'ai pas eu de Pika. Et puis derrière, sur toutes les autres vidéos, bah, on enchaîne un peu les piques après. Hop, on va mettre ça ici. Voilà. Le petit code pour ceux qui veulent, comme toujours. Allez. On continue, on espère avoir du bon. J'ai pas mal goûté le sachet, j'ai réduit. J'ai réduit, c'est comme ça qu'on a eu des hits sur les dernières vidéos. Xerneas. Yvelta. Ça craint. Recherche professorale. Wow, le désastre. Voilà, là, là, là. Alors que quand je parle avec des personnes, les gars, ils me racontent qu'ils ont sorti une ETB, ils l'ont ouverte, ils ont eu deux ou trois cartes du starter, même si c'était des fois des Florizards.
Bon, allez, s'il vous plaît, une petite chance. On arrive à avoir un petit hit. Ça serait cool et mérité. Parce que là, pour l'instant, on n'avance pas la collection. Groudon. Xerneas. Ah, yes! Une alternative, une secrète que j'ai pas. Donc, ça, c'est une bonne chose, normalement. Et donc, on va y avoir Tocopillon. C'est cool. Très bonne chose. Et derrière, on a le droit à un petit Pikachu Surfer. Ce qui est toujours sympathique. Le code pour les gens qui jouent au jeu en ligne. Ah, c'est cool. Bien. Tocopillon. Peut-être pas celle qui sort le plus rapidement. Pikachu Surfer. Ça, c'est fait. Bonne chose. Bonne chose, bonne chose. Hop, on les sort du cadre. Ah, on va les rentrer à la fin de la vidéo. Et là, on fait des petits teasing comme ça, les gens qui passent entre deux à faire des coups de clic de souris. Bah, tu regardes jusqu'au bout. C'est comme ça. Pas le choix, mon ami. Allez, donc on est déjà. Bouf! 4 paquets. Quatrième paquet. Allez, Cosmog. Cosmog, celui de Cosmovum. Ouais, il y a quelque chose. En jaune comme ça. Électeur, lecteur de requêtes. Je crois que j'ai trop annoncé que j'aimais bien cette carte. Électeur de requêtes. Encore une fois. Bon, c'est le troisième. Hein. Lunala. Hop. Et le code. Bon, bah, troisième électeur de requêtes. Qu'est-ce que vous voulez? C'était la carte que je trouvais, pour moi, une des plus sympathiques en termes de gueule. Vraiment sympa. Et bah, on la drop un peu souvent. Allez. On est parti. Déjà la mi-temps. 5 paquets d'ouvert. Et on ne sait pas si ils sont à la fin ou pas. Là, j'espère que ça va tomber quand même. J'ai envie. On espère. Allez, allez. Zekrom. Cosmog. Bon, bah, c'est une VMAX. Pas ça fait chier, mais. Et eh bah, ben, c'est pas une VMAX. Pouaf! Xerneas. Cool. Cool. Et derrière, recherche professeur. Cool. Ah, très bien là. Très bien. Coup sur coup, ça fait plaisir un petit peu d'avancer sur les secrètes. C'est une très bonne chose. Très bonne chose. Allez, recherche professeur. Ah, bah, ici. Parfait. Allez. 2, 3, 4, 5. Donc 5 paquets. 4, et je vois, c'est le 5ème. Donc la mi-temps arrive maintenant. Je sais pas ce que j'ai compté, j'ai mal compté. Allez. On est parti. Lugia. Xerneas. Kyogre. Et Mew. Bah, Mew que je kiffe et que j'ai tendance à sleeve. On va arrêter de le sleeve. On a déjà assez. Bon. Allez, s'il vous plaît, moi je veux mon Dracaufeu en fait maintenant. Hein. C'est dit. J'ai pas eu de Léviator, j'ai pas eu de Magikarp. Hein. Je veux mon Dracaufeu. Je veux le Draco. Cosmog. Xerneas. Dialga. Zamazenta. Bon, bah blasé. Hein. On a senti. Senti le blasage dans ma voix, je pense. Si ça n'est pas senti, ça se doit être à ma gueule. Ouais, c'est pas cool. Allez. On est parti. Yvelta. Dialga. Yes. Goudron. C'est cool. Au moins, on avance. Après, le truc, c'est qu'il reste que deux paquets. Et que pour le coup, bah, les gros hits, le Mewtwo Gold, bah, il est pas tombé. Pikachu. Le Dracaufeu ou une carte starter n'est pas tombée. Donc c'est. Je vais pas dire que ça craint, mais c'est. Pouf! C'est pas tip top cool, quoi. Le code. Peut faire mieux sur une ouverture quand je vois les autres, certaines personnes, comment elles ont été chanceuses. C'est. Ça serait bien que ça continue pour. Pas tout le monde comme ça. Bon, Lugia. On a déjà chez Spoil le paquet. Ouais. Derrière, c'est Yvelta. Ok.
Et donc, Mew encore. Bon, bah c'est pas de la blase, mais on n'en est pas loin quand même. Hein. Bon, après, comme ému, on va regarder ça quand il y en a 4. Donc, on va dire là une cinquième. Un paquet sur deux, une secrète. Dans l'idée, ce serait pas mal. Terminer sur un Dracaufeu, ça serait juste magique. Histoire de bien finir. Zekrom, Cosmog. Bon, on a quelque chose. Après, qu'est-ce que c'est? Ça va être la bonne question. Tour blanc comme ça. Luxray. Bon, bah, que j'avais déjà. Et un Pikachu volant. Et le code. Bon, bah Luxray, ouais, j'avais déjà. Donc, pas de gros hit. Pas de Mew. Pas de Dracaufeu. Pas de Tortank. Pas de Florizarre. Donc, on va dire du classique basique. Alors, oh là là, si je suis beau. Bouger tout ça va pas le faire. On va calmer, on va stabiliser. Donc pour les cartes, donc Pikachu V, Surfeur, Pikachu V volant, bah du classique. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Derrière, on a eu donc hop, Full Art Recherche Professorale, deux Pikachu classique. Donc là, on est vraiment sur des cartes qui reviennent tout le temps, et là on est sur les cartes que j'ai réussi à tirer, donc mes fameuses secrètes, où bah au final on a un petit peu avancé quand même dans la collection. Donc Luxray, je l'avais déjà, tout simplement. Donc là pour le coup on n'a pas. Ça n'a pas avancé la collection, mais bon ouais, grave joli. Groudon, on n'avait pas, donc ça c'est bien, ça avance. Xerneas, pareil, on n'avait pas, c'est cool, ça avance. Élector de Roquette, on avait déjà. Et donc Tocopillon, pareil, on n'avait pas, donc ça avance. Donc bah bien, 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 très bonne chose. Bah, j'espérais mieux, sincèrement, j'espérais mieux. J'ai pas eu mon Dracaufeu, j'ai pas eu mon Mew Gold. Donc voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est parti de la vie. Donc bah, on va continuer à essayer de trouver des coffrets, et puis on va essayer de continuer à faire des tirages. Hein. Vous allez vous taper une célébration tant que j'ai pas eu mes bons tirages. Je suis désolé les gens, c'est comme ça. Voilà, faut que les hits ils tombent, s'ils tombent pas, vous allez bouffer du célébration. Allez, plein de bisous à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce pour liker, dire que le contenu était sympathique. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage de coffret Dresseur d'élite sur Célébration. Sincèrement, il n'est pas mauvais le tirage. Après, il n'est pas ouf parce que sur Célébration, malheureusement, les secrètes, elles tombent régulièrement. Après, c'est Kaelto Drop, je pense que le Dracaufeu, je sais pas le nombre de. Ouais. Je sais pas. Quand je regarde des lives ou des choses comme ça, je vois des gens qui. Sur le chat, qui font que de dire qu'ils l'ont tombé, mais pas non. Pas ouais, autour de moi, je connais personne qui l'a fait tomber pour l'instant. Donc je sais pas le top drop. Allez, plein de gros bisous, amusez-vous bien, profitez bien, bonne ouverture à vous, et on se dit à très bientôt. Allez, bisous tout le monde!